Yo tout le monde, c'est Phenoxic, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le tout nouveau jeu Dragon Ball Project Multi 1-4 vs4, les amis. Je vous le dis en ce début de vidéo, j'ai vraiment bien kiffé, c'est un jeu assez stratégique avec des persos défensifs, des persos qui cognent, qui attaquent, etc. Et franchement, il y a également des attaques combinées à plusieurs, donc on va pas perdre plus de temps, je vais vous montrer un peu. Regardez déjà l'animation du Goku qui se vénère. Je trouve ça vraiment masterclass, vraiment. Comme d'habitude les amis, max 2 pouces bleus, moi le Geki Dama, on perd pas plus de temps, on va partir directement en combat. Alors, j'ai testé le Goku, j'ai testé également le Piccolo je kiffe. Franchement, le Piccolo, je kiffe de ouf, il a des attaques, voilà, à distance, tu peux également reculer en même temps que tu attaques, j'ai kiffé de dingue. Donc là, on rappelle, c'est la bêta est disponible sur Android, iOS, mais également, tiens, je vais prendre le Piccolo, les amis, hein, pour cette vidéo, parce que franchement, je kiffe de fou le Piccolo. C'est dispo sur Android, iOS et PC. Et ça, jusqu'au 3 septembre. C'est une bêta ouverte à tous. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, je comprends pas, je peux pas me connecter avec mon téléphone, etc. Si ton téléphone n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu, tu ne pourras pas. Voilà. Sinon, après, voilà, sur PC, franchement, là, je suis sur PC. Moi, je joue également avec une manette PS5. J'ai connecté ma manette PS5. Ça fonctionne très bien. Franchement, je vous le dis, c'est gratuit. Testez. Ça plaira à certaines personnes, ça déplaira à d'autres. Moi, pour le coup, je kiffe. Voilà, clairement, je kiffe. Allez, let's go. Donc, on est avec un Gohan, avec un Cooler, avec un Goku SJ. Et ben, let's go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Le Piccolo, c'est vraiment coup de cœur pour moi. Vraiment, c'est coup de cœur. Alors, vous avez un système où vous pouvez débloquer des tenues. J'ai débloqué la tenue quand Piccolo, il passe son permis. Alors, je ne l'ai pas mise parce que, bon, c'est pas non plus la tenue que je préfère, bien évidemment. Mais il va y avoir également un système comme les gachas, d'accord, où tu vas pouvoir invoquer sur des personnages. Donc, voilà. Déjà, admirer. Pour du jeu mobile, PC, les amis, c'est propre. Franchement, c'est propre. On rappelle, c'est gratuit. Donc, vous pouvez tester. Et comme ça, après, vous faites votre propre avis. Le Krillin est masterclass. Oh là 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 là. Le flow. Zamasu. Zamasu aussi. Hein. Vraiment très, très bien modélisé. Et là, on est parti. Alors, le but, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il y a mon pseudo. Je suis niveau 1. Il faut absolument détruire des ennemis pour monter de niveau. Hop, voilà. Donc là, Piccolo, vous voyez... Pendant que Goku, il tape au corps à corps, moi, je suis autour et j'envoie des Piccola. Ça permet, entre guillemets, voilà, de faire des teams à plusieurs. Voilà, lui, il tape corps à corps. Moi, je suis un peu plus loin avec des attaques à distance. Et franchement, ça, c'est la masterclass. Ok, donc pour l'instant, Goku, il joue pas trop mal, là. Il fait pas n'importe quoi. Ok, et plus vous montez en niveau, là je suis au niveau 2, on va bientôt être... Voilà, on est niveau 3 maintenant. Et maintenant, on va commencer, du coup, à faire des attaques, vous voyez. Hop. Donc là, on a des ennemis. Là, on a des ennemis. Donc là, faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher. Ici. Bim. Hop, lui, il est mort. Ok, on va le défoncer, on va le défoncer. On va le défoncer, boum, hop là, on l'a défoncé, attaque combinée en duo, je trouve ça trop trop stylé les amis. Donc là ensuite il faut récupérer un peu de vie, s'il y a besoin, hop. Alors attendez, parce que là, il y a le Cell Junior qui m'a suivi. Voilà. Ok, voilà, c'est bon, je regardais si ça buguait pas, c'est bon. Et là, hop, je récupère de la vie. Voilà. C'est parti. On est reparti. Tranquillement. Bim. Franchement, c'est ça qui est stylé avec le Piccolo. C'est tu attaques et tu recules en même temps. Comme ça, l'adversaire, tu vois, il a du mal à me toucher. Et ça, c'est stylé. Donc là, voilà. Hop. Wow, 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 wow. Faut vite que je me barre. Voilà, je récupère un peu de vie avant de mourir. C'est pas le but de mourir, là. Voilà, le Goku il est là, c'est bon. Je vais le suivre comme ça. Parce que faut pas partir en solo, les gars. Le but c'est de ne pas partir en solo. Hein. Bim. Hop là. On en a déglingué un. Voilà. Wow, 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 wow. Faut vite que je me barre.
Voilà, tranquille, tranquille. On récupère de la vie. Voilà, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est pas de foncer tête baissée. Donc là, maintenant, j'ai débloqué l'attaque ultime parce que je suis au niveau 5. L'attaque ultime, Makako Sampo. Vous le voyez en bas de l'écran, c'est en surbrillance. Dès qu'on va avoir un ennemi, les gars, ça va pipoter. Hein. Je vous le dis, là, par exemple. Bim! Let's go! Hop! On est en train de faire un bordel monstre là! Et boum! On l'a déglingué. Voilà. Il est venu m'aider. Alors on continue. Hop! Moi je tourne autour pendant que je fais mes attaques. Mes attaques à distance, hein. Là il m'a fait mal, donc là hop on va récupérer de la vie tranquillement. On est au level 6, le Goku qui est avec moi également il est au level 6, vas-y viens te soigner toi mon petit. Voilà, on va bientôt être au level 7, tranquille. Hop, toi, il était caché dans les nuages, pourquoi tu vas nous la faire? On va te défoncer. On va te défoncer, Zamasu. Bim! Ça dégage. Voilà. Voilà. On continue. Pas mal. Il y a le Goku qui est avec moi. C'est vraiment pas mal parce que du coup, il y a des bonnes assists. Ok, ok. Lui, il m'a fait mal. Lui, il m'a fait mal. Continue. Voilà. Je récupère de la vie. Ah. On le défonce. Viens ici. Voilà. Boum. Ça dégage, Yamasu. J'aime beaucoup les cinématiques quand tu achèves l'ennemi. Voilà, il y a le Goku qui est là. Attends. Faut vite que j'y aille. Tiens, il y a Jacob qui vient d'arriver. Ok, let's go. Donc vous avez une map en haut à gauche. Voilà. Voilà. Ok. Faut que je fasse attention. Hop. Voilà. Ouf. Ça m'a fait bobo là. Là, faut vite que j'aille récupérer de la vie. Vas-y, donne-moi de la vie. Voilà, hop là. Let's go. Ah, dans le vent, dommage. Je voulais viser le Zamasu. Et c'était dans le vent. Ok, lui, je l'ai défoncé. On continue. Je suis avec le Goku, hein. Il joue bien le Goku qui est avec moi, hein, parce qu'au moins il fait pas n'importe quoi, toi, le Zamasu là-bas. Viens ici, viens ici. Voilà, hop, on tape, on tape, on tape, on tape. Bim! Allez, ça dégage, voilà. Attaque en duo avec le Goku Super Saiyan, pas mal du tout. Ok, je le suis. Voilà. On continue. Donc vous voyez, c'est de la stratégie. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Faut être à plusieurs à chaque fois. Voilà, hop. Je m'occupe du robot. Voilà. Donc là, attention. Là, ça va chier des bulles carrées. L'autre Zaru qui arrive. On va devoir aller s'occuper de l'autre Zaru. Et là, c'est parti. Merci pour les follow, soyez les bienvenus. Allez, alors attends, on va en profiter également, nous. Parce que là, il y a un boss également ici. Pendant qu'ils sont sur l'autre Zaru. Alors, je sais pas si je fais bien,
d'attaquer avec le Goku ce boss-là. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que j'aurais dû aller à l'Otzaru ou pas, je sais pas. On découvre en même temps, les amis, le jeu, hein. On maîtrise pas encore tout. Mais du coup, ça c'est pas mal. Je le suis. Il est là maintenant, l'Otzaru. Voilà, j'ai fait mal là, l'Otzaru. Ok. Donc là, ma barre de vie, elle est vraiment bonne, là. Je suis au niveau 11. L'Otzaru, on l'a défoncé, tout ça. Ok. Ok. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Je tourne autour des adversaires. Et comme ça, ils n'arrivent pas à me toucher. Et ça, c'est la masterclass. Bim. Nos Amasu, je les one-shot avec mon Makanko Sampo. Là, je suis avec le Goku. Voilà, bien, Vermunt, ça dégage. On est plutôt pas mal, là. On est plutôt pas mal. Voilà, on est au niveau 12. Pouah, hé, mon attaque grenade lumière, là, elle commence à faire vraiment, vraiment mal. Je vais juste essayer. Eh ben, c'est bon. Il y a la Dragon Ball. C'est bon. Le gars qui était avec moi, le Goku, il est parti récupérer la Dragon Ball. Et du coup, on a gagné. On a gagné, les gars. J'ai très bien joué avec le Goku. C'est très bien quand la personne ne fait pas n'importe quoi, ne part pas en solo de son côté et puis se fait kill bêtement. Là, pour le coup, hop, voilà. Assist Master. Je mets un petit like parce que franchement, c'est stylé. Donc, j'ai fait 8 kills. Du coup, je crois que c'est ça. Hein. C'est 8 kills. Hein. Je crois. Je sais même pas. Je crois que ça devait être ça. Je sais plus. Bah, vous me direz, c'était ça. En tout cas, voilà les amis. On a fait une game. Je vous donne mes impressions. Je trouve que le jeu a un énorme potentiel. Et encore, on maîtrise pas encore assez bien. Parce que voilà, c'est dispo que depuis hier. En plus, il y a eu la maintenance, etc. Vous le savez, aujourd'hui, je serai à la Gamescom pour aller tester la démo de Dragon Ball Sparking Zero. Et ensuite, voilà, on vous sortira les vidéos... à la suite dans les jours qui viennent concernant Sparking Zero et cette nouvelle démo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Je vous conseille vivement de télécharger le jeu. C'est gratuit, enfin du moins la bêta, sur Android, iOS ou PC. Pour le coup, je pense qu'il y a moyen de s'amuser, même avec la communauté, en 4v4. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.